Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver dans l'actualité. Le temps du recueillement après l'assassinat d'un enseignant à Arras et 3 ans après celui de Samuel Paty. En Corse, comme sur le reste du territoire national, les enseignants et personnels de l'éducation nationale se sont retrouvés durant 2 heures avant d'accueillir les élèves. À 14h, une minute de silence a été observée dans tout le pays en hommage à ces enseignants tués par des individus radicalisés. À présent, l'heure est également à la sécurisation des établissements scolaires. Pour en parler, nous recevons ce soir Jean-Philippe Agresse, recteur de l'Académie de Corse. Le dossier du cimetière de Londines. Après 2 ans de médiation, un accord a été trouvé entre la ville de Bastia et les assureurs pour 14 millions d'euros. Entre effondrement de murs et affaissement de talus, le site n'a cessé de se dégrader depuis sa livraison. Cela avait entraîné une procédure pénale et administrative. Enfin, l'actualité sportive avec votre Mac des Sports, Jean-Pierre Lec et Pascal Pommier, s'entretiennent notamment avec le nouveau président du GFCA Volley, Paul Mouratchol, et les Ajacciens qui entament leur nouvelle saison ce week-end au Palatine avec la réception de Reims 51. L'hommage à Samuel Paty, prévu de longue date, a pris un tour beaucoup plus solennel après le drame d'Arras. Après un temps d'échange ce matin, entre 8h et 10h pour les équipes pédagogiques, cet après-midi, une minute de silence était prévue à 14h dans toutes les classes, du primaire au secondaire. Reportage au collège de Bigoulia et réaction lors de cette journée particulière dans l'école corse avec Sybille Bromberg et Tiffany Ortiz-Verea. Quand on s'attaque à des personnels qui travaillent administratifs ou techniques dans nos établissements scolaires, dans nos collèges, dans nos lycées, on s'attaque directement aux valeurs de la République. Un discours solennel et une solidarité affichée face à toute l'équipe du collège de Bigoulia. Des personnels rassemblés et encore sous le coup de l'émotion après l'attentat de vendredi dernier à Arras. Tout le monde est en état de choc. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est plutôt un constat. Et dès que les échanges ont pu se délier, ce qui a été important, c'est de se rappeler pourquoi nous sommes là et qu'est-ce qui fait sens. Après le choc, ici, les professeurs se recentrent autour de leur mission principale, faire de leurs élèves des citoyens, développer leur esprit critique, libérer leurs paroles. C'est des actions qui se sont déjà répétées. Moi, je vais leur laisser d'abord un temps de parole. Parce que ça, c'est très important, il faut qu'ils s'expriment. Et ensuite, on va en parler ensemble. C'est toutes les valeurs de la République qui ont été ébranlées, tout ce qui représente la laïcité que nous apprenons tous les jours aux élèves. Et ça, justement, il faut que ce soit partie prenante. Après le discours officiel, une minute de silence est observée dans chaque classe, puis la parole est donnée aux collégiens. Ces élèves de 4e ont besoin de comprendre. On me demande pourquoi ce genre de personnes qui assassinent des gens pour rien existe. Parce qu'en fait, c'est pas très intelligent de tuer quelqu'un pour le plaisir. Moi, mon ressenti, c'est que c'est très grave et ça m'a fait un peu peur aussi. Déjà, c'est que les mots sortent. Parce que c'est vrai qu'ils ont leurs médias à eux, ils ont leur téléphone, des vidéos qui circulent, mais ils n'ont pas forcément de communication ou d'échange ou de réponse. Il faut les rassurer, il faut dire que c'est une minorité et que ben, eux, c'est l'avenir. Donc eux aussi peuvent changer les choses et avancer quoi qu'il en coûte. Même besoin d'être rassuré ce matin devant le lycée du Fango à Bastia. La vidéo de l'assaillant dans la cour du lycée d'Arras a circulé sur les réseaux sociaux. Une image choc que la plupart ont vue. Alors pour eux aussi, il faut en parler et même aller plus loin. C'est important de même dépasser cette minute de silence et même de faire, pas un cours là-dessus, mais vraiment d'en parler et de s'exprimer sur ce qui s'est passé. J'espère qu'ils vont faire de la sensibilisation à ce sujet. Déjà faire plus d'exercices attentats contre ça, parce que je trouve qu'on en fait presque quasiment qu'un seul dans l'année et je trouve que c'est pas du tout suffisant pour nous apprendre. Élèves comme enseignants espèrent plus que des discours, avec une préoccupation collective, se sentir en sécurité au sein des établissements scolaires. Jean-Philippe Agresti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le recteur de l'Académie de Corse. Alors, on vient de le voir, ce lundi, Lille a rendu hommage à 2 enseignants. Hein, Dominique Bernard, assassiné ce week-end dans un lycée d'Arras, et Samuel Paty, également assassiné il y a 3 ans, jour pour jour, des faits qui suscitent, on l'a entendu, une vive émotion dans la communauté éducative et chez les élèves. Permettez-moi d'abord de souligner l'exemplarité des personnels de l'Académie de Corse et des élèves qui ont rendu un hommage poignant tout au long de la journée à Dominique Bernard et à Samuel Paty. Et permettez-moi de m'associer et d'avoir une pensée pour sa famille, pour ses amis, pour l'ensemble des collègues et aussi pour les blessés. Évidemment, une pensée aussi pour la famille de Samuel Paty et Samuel Paty lui-même.
oui, un moment de recueillement fort, et puis un moment d'échange ce matin, un moment d'échange important. Il était nécessaire que les enseignants puissent parler entre eux de la manière dont ils allaient accueillir les élèves après ce drame inexplicable et inexcusable. Et vous, justement, vous avez reçu ces dernières heures des représentants du corps enseignant, des chefs d'établissement également. Quel est aujourd'hui leur sentiment? Est-ce qu'ils nourrissent des craintes pour l'école corse? Aujourd'hui, l'école est debout. L'école corse est debout. Ils nourrissent évidemment des craintes. Il y a des craintes légitimes, des questions légitimes. J'ai aujourd'hui vu 6 établissements. Demain, je continue ma tournée. Je le ferai tout au long de la semaine. Je veux être au plus près des équipes pour recueillir leurs sentiments et répondre au mieux et au plus près des besoins du terrain. Alors justement, certains demandent davantage de formation en ce qui concerne l'enseignement civique et laïque, selon vous. Aujourd'hui, les enseignants sont-ils assez armés pour enseigner la laïcité? Et est-ce que les élèves entendent ces principes? Alors aujourd'hui, il y a un plan de formation qui a débuté dans notre académie et qui se poursuit et que nous allons accentuer à destination des chefs d'établissement, notamment sur la pédagogie relative aux valeurs de la République, mais il y a aussi des plans de formation relatifs à la gestion de crise en général et notamment, l'élève le disait tout à l'heure, on a toutes les années un exercice alerte attentat. Mais évidemment, aujourd'hui, le travail avec les équipes pédagogiques, mais dans toutes les disciplines. Moi qui suis professeur d'histoire, je le dis, c'est dans toutes les disciplines. C'est travailler à la transmission de ces valeurs et ne rien lâcher sur les principes qui font notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Alors, vous avez évoqué la sécurité, puisque suite au drame d'Arras, Gérald Darmanin a annoncé un renforcement de cette sécurité autour des établissements scolaires. Cela passe notamment par le déploiement des forces de l'ordre. Comment faire pour que l'école ne devienne pas un bunker, alors qu'initialement, c'est un lieu de liberté? Il ne s'agit pas de faire de l'école un bunker. Nous avons travaillé. C'est ce que certains craignent. C'est ce que certains craignent, et c'est légitime. En revanche, il s'agit, même si notre académie évidemment, ne présente pas de risque particulier au-delà du niveau d'alerte nationale qui s'applique ici. Il s'agit d'être vigilant. Nous avons travaillé tout le week-end avec les préfets, le préfet de Haute-Corse et le préfet de région, afin que les établissements soient sécurisés par de la présence d'équipes fixes et d'équipes mobiles. Un travail collaboratif, mais alors si quelque chose se profile pour agir vite, existe-t-il à ce jour un canal direct avec les autorités, avec les forces de l'ordre? Oui, il y a un référent par établissement que l'on contacte immédiatement pour une intervention. Alors, ce drame et par la suite ce renforcement de la sécurité qu'on vient d'évoquer intervient dans un contexte de forte tension au Proche-Orient, un contexte de guerre. Notre île est plutôt épargnée, mais est-ce que vous craignez que ce mal n'atteigne notre école, ici dans l'île? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la vigilance. La vigilance, c'est aussi les signaux faibles. Des signaux faibles qui peuvent... Vous avez déjà eu des alertes en l'espèce? Aucune alerte. D'ailleurs, la minute de silence s'est passée de manière parfaite, et c'est pour ça que je soulignais l'exemplarité aussi de nos élèves. Donc aucune alerte, mais nous sommes vigilants. Vigilant, ça veut dire que je passe voir les équipes et ceux qui m'entourent passent voir les équipes pour dire que chaque signal faible doit remonter et doit être pris en compte et au sérieux. Alors ce matin, le chef de l'État publie un tweet en finissant avec cette phrase que l'on voit « À la haine aveugle, nous opposerons toujours l'inextinguible soif d'enseigner, la soif d'apprendre, la soif de vivre libre. Au-delà de la communication politique, est-ce que l'école demeure aujourd'hui un rempart contre l'obscurantisme ? » On a pu entendre des enseignants d'Arras parler d'échec, l'assaillant étant un ancien élève. Oui, évidemment, nous sommes obligés de prendre en compte l'émotion, mais l'école est un rempart. On a dit de Dominique Bernard qu'il a sauvé des vies le 13 octobre 2023, mais je crois qu'il a sauvé des vies tout au long de la carrière, comme l'ensemble des 3800 enseignants qui travaillent dans cette académie. Tous les jours, ils sauvent des vies parce qu'ils apprennent à leurs élèves ces valeurs-là, cette vie en commun, ce contrat social et ces valeurs qui fondent ce contrat social. Eh bien, Jean-Philippe Agresse, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été l'invité de ce Coursi Gazer. Et justement, après l'attaque d'Arras par un individu d'origine russe et fiché S, le gouvernement veut accélérer l'expulsion de 193 étrangers radicalisés en situation irrégulière, annonce ce lundi du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, au sortir d'une réunion de sécurité organisée à l'Élysée. En Corse, le nombre de personnes fichées semble rester stable depuis 5 ans. Les précisions de Marie-Françoise Stéphanie, regardez. Après l'attaque contre un professeur à Arras et dans un contexte de conflit au Proche-Orient, comment mieux prévenir les actes terroristes? Ce matin, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de se réunir dès demain pour mieux détecter les personnes à risque.
Nous avons donc demandé à tous les préfets de la République de tenir demain des groupes de travail avec l'ensemble des ministères pour pouvoir repeigner, si j'ose dire, les personnes dangereuses, qu'elles soient régulièrement ou irrégulières sur le territoire national, pour procéder à leur expulsion immédiate ou à leur retrait de titre de séjour. Les préfets devront vérifier qui est fiché S ou encore combien de personnes sont inscrites au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Ces personnes jugées dangereuses pourraient être expulsées. Elles sont 20 120 dans toute la France. En Corse, 4 personnes sont fichées S pour radicalisme islamiste. Entre 2022 et 2023, 24 personnes ont été expulsées pour troubles à l'ordre public, liées à des affaires de stupéfiants ou violences intrafamiliales pour la plupart. Aucune pour radicalisation. En 2015, à Ilrous, un imam marocain avait été expulsé car il était en situation irrégulière. Je vous en parle au début de cette édition. Peut-être une issue dans le dossier du cimetière de Londine à Bastia. Depuis sa livraison en 2014, le site n'a eu de cesse de se dégrader. Deux plaintes avaient été déposées. Suite à 2 ans de négociations, un accord a été trouvé entre la ville et les assureurs pour un coût de 14 millions d'euros, ce qui sera soumis demain au vote du conseil municipal. Pierrick Nanini, Guillaume Leonetti. Il s'agit peut-être enfin de l'épilogue de ce dossier si tourmenté du cimetière de Londine. Au terme de 2 ans de médiation et de négociations ardues, un accord est en passe d'être trouvé entre les différentes parties. Au total, une indemnisation globale de 14 millions d'euros sera versée à la ville de Bastia, une somme à la charge des assureurs des entreprises mises en cause, parmi lesquelles principalement la SNC Vandaz, dont le gérant, contacté aujourd'hui, réserve ses commentaires pour plus tard. Soulagement du côté du maire de Bastia qui voit là le bout du tunnel après 8 ans de litige. C'est rare que les assureurs fassent des cadeaux à leurs clients. Donc la question, c'est que cette somme-là, c'est le résultat d'une négociation. La grande partie des montants qui vont être engagés, ce sont des travaux lourds de sécurisation, des murs qui en ont besoin, de sécurisation aussi, des dallages. Enfin, tout l'ensemble des travaux qui vont être engagés, et qui sont des travaux lourds et importants. Décidé, construit et réceptionné sous la mandature Tsoukareli, ce cimetière de Londine avait présenté de lourdes failles dès sa construction. En 2013, un mur de plus d'une dizaine de mètres s'était effondré, sans victime fort heureusement. Puis, de manière continue, d'importants désordres sont apparus. Aujourd'hui encore, le site ne cesse de se délabrer. Dalles et caveaux menacés, murs fissurés, morceaux de route effondrés. Le danger est toujours présent à tel point que des zones du cimetière demeurent inaccessibles et que les caveaux situés à ces endroits ont dû être déplacés. Si demain, lors d'un conseil municipal extraordinaire, cet accord est entériné, il faudra attendre début 2026, selon la municipalité, pour que soit entièrement réhabilité le site. Avec cette rénovation complète, Londine pourra enfin reposer en paix. D'autant que sur le plan pénal, tous les recours sont désormais épuisés et que personne ne sera donc poursuivi. En politique, le collectif Padriot y s'est donc réuni hier à Corté devant près de 400 personnes, 2 heures de débat et une synthèse avec plusieurs points, notamment le renforcement des actions de terrain et la création d'une démarche commune « Tiens ma Patriote », un rassemblement durant lequel les divergences avec la majorité territoriale ont été évoquées, et cela dans un contexte de négociation avec l'État sur l'évolution institutionnelle de la Corse. Le reportage de Marc-Antoine Rinucci et Océane Dacuna. Indépendance, soutien à la lutte armée, mobilisation prévue dans les jours à venir. Les principaux axes déclinés par les organisations nationalistes présentes hier à Corté se veulent forts et sans ambiguïté. Les critiques ont également été acerbes, contre le processus de négociation en cours avec l'État, mais également contre les élus du camp autonomiste. Une stratégie de construction nationale alternative, rejetant les logiques de soumission et d'acceptation du destin français de notre peuple. Ça fait référence au destin français, donc au discours de Gilles Siméon, dire que c'était une soumission. On est vraiment sur une ligne de rupture avec le processus et avec la majorité territoriale. Donc aujourd'hui, il y a des choix stratégiques qui sont clairs. Il y a des choix qui sont assumés d'un côté et d'autres qui le sont de l'autre. Et je crois que nous ne
10 ans, pas plus. Nous ici, en tant que Corsigali, aujourd'hui je suis en tant que militante, je me mets au service d'une démarche bien plus large. Mais effectivement, c'est un constat partagé que face à une stratégie qui est celle des petits pas, il y a une volonté. Collectif Patriote, Asocho Solidarita, membres du STC. En tout, 400 personnes se sont réunies dans un amphithéâtre plein. Les principaux cadres de Corsica Libera sont également présents. Le mouvement Corinfronte n'a en revanche pas répondu à l'appel. L'objectif de regrouper l'ensemble de la mouvance indépendantiste n'a donc pas été réellement atteint. Après plus de 2 heures de débat à huis clos, la rédaction d'une synthèse débouche sur une démarche qui porte déjà un nom, Tiama Patriote. La structure devrait se constituer en partie dans les mois à venir. Nous avons convenu que cette démarche allait très rapidement descendre sur le terrain en faisant des actions de terrain, ce que les militants présents ont activement demandé, autour de 4 thèmes, Adar, Obobulu, Alingua et Uzujale, qui sont les préoccupations principales des militants. A noter que ni Corinfronte, ni Fema Agorsga, ni le PNC n'ont souhaité réagir à la possible constitution de ce nouveau mouvement. Une assemblée générale de Tiama Patriota sera organisée début 2024. Le but de la démarche sera sans doute de peser politiquement après des derniers résultats électoraux décevants, notamment pour Corsica Libre. Cette initiative intervient dans un contexte de retour en force de la violence clandestine, avec la nuit bleue de la semaine dernière, où une trentaine d'attentats avaient été revendiqués par le FLNC. L'autonomie énergétique, voilà l'objectif ambitieux que vise la Corse à l'horizon 2050. Durant 2 jours, Lyon accueille la 3e édition des Assises nationales des énergies renouvelables citoyennes. Une délégation composée d'ingénieurs techniciens et élus de collectivités des 4 coins de l'île a fait le déplacement. Sur place, le reportage de Sylvie Wolenski avec Stéphane Lapéra. 9 panneaux solaires sont posés sur le toit de ce bâtiment technique exposé plein sud. Il appartient au lycée catholique Saint-Marc, un établissement situé à 35 km de Lyon. Cette réalisation est l'œuvre d'une centrale villageoise composée d'une centaine d'habitants et de 10 collectivités locales. Ses actionnaires ont investi 120 000 euros dans cette installation et s'ils y trouvent un intérêt, il n'est pas financier. Après, on a des motivations qui peuvent être différentes. Moi, je sais qu'à titre personnel, la transition énergétique, c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps. Ça a été mon métier. Je suis passionné par la technique. Chacun, après, trouve du sens dans son investissement dans l'énergie. Le lycée, qui loue et exploite ses panneaux solaires, a vu sa facture d'électricité allégée de 150 000 euros par an. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Ça nous a permis... Tout d'abord, de diminuer nos achats d'électricité, et c'est important en ce moment. Mais dans la mesure où nous avons des élèves qui se préparent à un baccalauréat sciences et techniques de l'ingénieur développement durable, ça leur permet de faire des travaux pratiques sur quelles sont les technologies qu'ils vont pouvoir utiliser, mettre en œuvre, une fois qu'ils auront leur diplôme. Une quarantaine de kilomètres plus loin, ce sont les 130 actionnaires de la centrale villageoise des collines iséroises qui ont installé ces 600 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit de ce centre équestre. 130 000 euros d'investissement qu'ils remboursent en vendant l'électricité produite. Pour la délégation Corse, ces visites sont l'occasion de faire un point sur des projets déjà réalisés et de pouvoir en imaginer de retour sur le sol insulaire. Ça donne surtout des billes pour pouvoir expliquer aussi, notamment aux entreprises que nous on vise particulièrement sur la CAB, de se lancer avec nous dans l'aventure. Et ça nous donne vraiment des arguments supplémentaires pour leur dire, regardez, ça marche, on a des cas où ça fonctionne, on a ce modèle-là qui existe, ce modèle-là qui existe, et donc c'est plus facile pour nous après. 3 autres parcours de visite avaient lieu simultanément cet après-midi. Le premier étant comment créer une dynamique citoyenne autour de communautés d'énergie. L'autre, comment monter un projet local et citoyen de production de chaleur. Demain, les assises continuent à Lyon autour de tables rondes et d'ateliers. Juventu, ou le nom d'une application lancée par la collectivité de Corse, une initiative connectée à destination des jeunes publics pour plus facilement leur donner accès aux nombreuses aides, comme le Pass Culture, à des aides financières qui seront dématérialisées avec un porte-monnaie numérique. Arnaud Delataille, Daniel Bansard. Pogoko, là est l'application de Juventu. Ils ont tous les dispositifs de collectivité de Corsica pour les jeunes. Ah ouais, il y a vraiment tout dessus. Attendez-vous à souvent croiser ce petit hérisson nommé Mandouli, mascotte de l'application lancée par la collectivité de Corse.
simulateur d'aide, idée sortie, abonnement au transport, financement du permis de conduire. Juventu est destiné à simplifier les démarches administratives des jeunes Corses de 11 à 30 ans. On s'est rendu compte que les jeunes n'avaient pas forcément accès à l'information et donc aujourd'hui on s'est dit le jeune est quand même très connecté. Donc passer par, je dirais, ces canaux de communication, c'était une nécessité, d'où un travail assez long de développement d'une application et qui aujourd'hui voit le jour sous le nom d'application Juventu. 450 000 euros sur 3 ans ont été investis pour développer l'application, avec la volonté de la faire la plus complète possible. On peut y trouver à la fois des aides pour l'accès à la culture, le sport, toute la vie étudiante également, et enfin et surtout toute l'information sur toutes les thématiques qui peuvent toucher les jeunes, notamment le logement, la santé. La collectivité espère attirer 30 000 utilisateurs. L'application est disponible gratuitement sur Apple et Android. Futsal, handball, l'actualité sportive, c'est tout de suite avec votre Mac des sports. Jean-Pierre Lec et Pascal Pommier reçoivent le nouveau président du GFCA Volley, Paul Mouratchole. On se retrouve juste après pour la suite de votre Corsi Gazer. Bonjour à tutti, très heureux de vous retrouver comme tous les lundis sur France 3 Corse via Stel pour évoquer et décrypter toute l'actualité sportive insulaire. Ce soir, il sera question dans cette édition de volleyball puisque nous recevons sur ce plateau le tout nouveau président du GFCA Volley, Paul Mouratchole. Paul Mouratchole, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On parlera avec vous dans quelques instants de votre club qui va débuter sa saison ce samedi à 20h au Palatine contre Reims. Elle est en pleine forme, même si le championnat de Régional 1 faisait relâche ce week-end, Pascal, pour cause de Coupe de France. Et justement, on va commencer par cette compétition, le 5e tour régional. Oui, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous. C'était place à Dame Coupe ce week-end et vous venez de le dire, nous sommes toujours dans les tours régionaux. Alors, première affiche, le pensionnaire de National 2, le FC Borgo en blanc recevait Corté en vert, club de National 3. Et si les Cortenais ont bien ouvert le score, ensuite la logique sportive a pris le dessus. Borgo a été intraitable, notamment par l'entremise de l'ancien joueur du SCB, donc ex-pro, Anthony Robic, auteur d'un triplé. Score final 5-2 pour Borgo. Borgo qui fait partie des qualifiés. Donc, on voit encore ces quelques images. Et puis maintenant, nous allons jeter un œil sur les autres qualifiés. Alors, il y a l'AS Furiani Agliane, vainqueur 2-0 à Bocconiano. La Svar, après sa victoire 3-0 sur l'AS Cargese. Et la Balagne qui s'est imposée 1-0. Face au Sud FC. Voilà, j'ajoute Jean-Pierre que le tirage au sort aura lieu jeudi prochain. Les matchs, eux, se dérouleront les 28 et 29 octobre. Dernier tour avant l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Oui, de la CA et du Sporting, ça sera un petit peu plus tard au mois de novembre. Allez, sport de salle à présent avec la première division de futsal et la 5e journée qui se déroulait ce dimanche après-midi du côté du Palatine pour la CA. En maillot blanc et rouge, les Ajaxiens qui vont encaisser un premier but, vous le venez de le voir par l'intermédiaire de Majid Saïd contre son camp. Les Toulonnais vont ensuite doubler la mise très rapidement. Et finalement, la CA va réussir à recoller au score en réduisant la marque. Score final donc 2-1 pour les Toulonnais, les Ajaxiens qui recevront aussi un carton rouge contre Jean-François Dautel. Et bien après ce résultat, la CA occupe la 8e place du classement sur 12. Prochain rendez-vous pour les Ajaxiens, ce sera samedi face au Kremlin Bicêtre. À noter que de son côté, en 2e division, Bastia Aglo s'est imposé, Pascal, pour la première fois de la saison sur le score de 5-1 face à Nantes. Et ça va leur faire du bien. Place au hand maintenant et on peut parler de mauvais week-end pour nos représentants en N1. D'abord le Gazélec a été battu à Grenoble 28-25. Défaite également de la réserve du Gaz en N3, 39-34 à Grasse. Et puis toujours en N3, première défaite de la saison des Cortenais à domicile, 30-31 face à Sud Marseille. Compte rendu Céline Roxen, Stéphane Lapeyre. Le coach était confiant, 4 victoires d'affilée ça aide. Le président lui disait attention et il avait raison. Voilà typiquement une action qui illustre la première période. Les maladresses se multiplient face à des Marseillais qu'on attendait véloces et ils le sont en contre. Ça pêche aux ailes côté Cortenay.
si bien que le président envisage un temps d'enfiler le maillot pour faire le job. Une mi-temps à courir après le score et à chaque occasion de recoller, ça donne ça. À la fin, plus besoin de regarder la balle, les visages disent tout. 4 buts d'avance pour les autres à la pause. Sur les ailes, on a beaucoup de déchets en première. Je crois qu'on loupe 10 ou 15 tirs. On a des déchets de passe, des déchets de partout. On n'est pas propre et on en paye les conséquences. On s'en sort pas. C'est un match qu'on devrait se rendre facile. Et encore une fois, la victoire, elle nous échappe. On se le rend compliqué tout seul, quoi. Et l'entraîneur Cortenay n'a pas fini de grimacer. En seconde période, ses joueurs semblent pourtant animer de meilleures intentions avec Niang à la finition. 38e minute de jeu, Corté prend même l'avantage pour la première fois de la partie sur ce but de Moulin. Mais derrière, pris de vitesse, les jaunes vont accuser le coup et encaisser 6 buts d'affilée. Oui, le portier Cortenay peut rager. On les a confortés dans leur point fort, je dirais. On savait qu'ils allaient vite. On n'a pas réussi à s'adapter. Peut-être qu'ils ont des qualités physiques aussi supérieures à la moyenne et on n'est pas habitué. Mais au-delà de ça, si on marque ce qu'on doit marquer en première mi-temps, je crois que d'affilée, on loupe 7 tirs à 6 mètres et on est juste à moins 1. Donc même si on en met la moitié, on a plus 2, plus 3. Et à partir de là, ce n'est pas le même match, mais on n'a pas réussi à le faire. Ça vient de l'aile et c'est réussi, mais trop tard. 30-31 au final. Corté resté invaincu sur son terrain depuis janvier. Maintenant, l'ulcère du président va pouvoir se manifester. Et oui, première défaite de la saison. Donc pour les Cortenay, allez, on passe au basket avec l'ACA Basket, justement, qui était en déplacement au niveau national 3 du côté de Lyon. Les Ajacciens du président Bruno Emmanuel se sont inclinés 88 à 73. C'était très précisément du côté de Caluire. Et au classement, vous allez le voir, après cette défaite, les Blancs et Rouges restent malheureusement dans la zone des relégables. Ils occupent même la dernière place. Vous voyez, c'est encore très serré. Prochain rendez-vous, ce sera dans 15 jours, Pascal, à domicile, contre Grenoble, une formation du haut de tableau. Et ce sera au Rossini. On continue avec le basket, avec ce coup de projecteur que nous allons donner sur le tout nouveau pôle Espoir. Il a été inauguré il y a quelques semaines au CSJC, le Centre du Sport et de la Jeunesse Corse. Une réelle chance pour les jeunes basketteurs. On voit tout ça avec Sylvie Wolinski et Stéphane Lapierre. Comme s'ils avaient été bercés par un ballon orange, ils se retrouvent dès qu'ils le peuvent afin de dribbler ou de marquer. Le basketball, pour les joueurs de ce nouveau pôle espoir, c'est avant tout une passion. J'y suis pris, je me donne à fond et je progresse comme ça. Donc pour moi, c'est une grande chance, oui. Ça m'aide. Ils sont 16 jeunes athlètes, 10 externes et 6 internes, venus de toute la Corse à être entrés au Centre du Sport et de la Jeunesse Corse, situé à Ajaccio. Avec pour objectif de mener dans des conditions optimales leur vie scolaire, sportive et personnelle. Pour certains, loin de chez eux. Des enfants qu'on voit plus souvent que leurs parents, mais c'est vrai, on fait en sorte que ça soit leur deuxième maison, qu'ils s'y sentent à l'aise, parce que avant tout, pour performer, il faut se sentir bien dans sa peau, bien dans sa tête, être heureux, prendre du plaisir. Donc c'est vraiment la priorité, c'est qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent comme chez eux. Le CSJC est aussi un terrain de rencontre où l'on côtoie des jeunes des autres pôles, que ce soit le foot, le hand, le judo, et où l'on apprend le travail, la rigueur et l'entraide. Pourtant, avec 12 clubs et 1340 licenciés, le basket est loin d'être le sport roi en Corse. L'idée pour nous, c'est une reconnaissance du travail fait depuis 12 ans et de la qualité du travail, bien sûr, avec cette reconnaissance fédérale qui nous donne ce label Pôle Espoir. Deux, c'est toujours essayer de tirer vers le haut le niveau général du basket de ces gamins qui, bien évidemment, retournent dans leur club les week-ends, jouent avec leurs copains. Et notre idée, c'est vraiment essayer de redynamiser pour que tout le monde progresse. Placé sous l'égide de la Fédération française de basketball, le Pôle Espoir réunit les meilleurs potentiels de la tranche d'âge 13-15 ans et va permettre à ses joueurs de se confronter aux équipes du continent. Cette compétition, elle a pour but de pouvoir sortir de l'île, puisque sinon le championnat régional est tellement faible que c'est important d'avoir aussi la cerise sur le gâteau à la fois pour former et performer. Nous, on ne sera pas dans la formule Pôle Espoir parce que ce serait trop lourd financièrement. Mais on bénéficie malgré tout du championnat régional qui est de qualité en championnat PACA à partir de novembre. Reste à ces jeunes espoirs du temps pour se préparer physiquement et mentalement et goûter peut-être un jour au niveau pro.
Allez, place à présent à notre invité, le nouveau président du GFC à Volet, Paul Mouratchol. Une première question toute simple. Vous êtes le nouveau président, vous avez été élu par le conseil d'administration, c'était, si je ne m'abuse, cet été, au mois de, ouais, mois de juillet. Nouveau président, pourquoi ce changement? Sylvestre Samarchiel avait pris la succession d'Antoine Exiga, voilà maintenant 2 ans. Question toute simple, voilà, pourquoi ce changement de présidence à ce moment précis de l'année? Sylvestre avait pris la suite d'Antoine et il avait besoin un petit peu d'être moins en première ligne. Et puis il voulait du 109, il m'a demandé de prendre sa suite. Et passionné comme je suis de sport et particulièrement de volley, j'ai accepté. Alors vous étiez déjà aussi à l'intérieur du club, hein, à l'adresse de nos téléspectateurs, vous étiez déjà dirigeant depuis plusieurs saisons. C'est ça, depuis 3 saisons. Et puis j'étais dans le club en tant que médecin et supporter sur le banc depuis une décennie quand même, donc je connaissais bien le club. Alors, ça sera la 3e année en Ligue B pour le GFCA qui a été relégué en 2021. Les objectifs pour cette saison, on sait que ça a été compliqué. Après la descente de Liga, la première division en Ligue B, la première année, le GFCA avait terminé de mémoire à l'avant-dernière place. Mmh. L'année dernière, ça a été mieux, beaucoup mieux, avec ce quart de finale perdu face à Saint-Jean-d'Illac qui est monté en Liga. Une défaite lors du dernier match. Les objectifs cette année, c'est quoi pour vous, le président? Qu'est-ce que vous avez fixé comme objectif à vos joueurs et à votre coach? Donc, on a tiré les leçons des années passées. On a essayé d'améliorer chaque année notre équipe. Et les points faibles de l'équipe ont été identifiés, notamment en ce qui concerne le poste de pointu. Si avec l'équipe qu'on a pu conserver, qui est un exploit déjà aux 3/4, on a décidé de mettre l'accent sur nos faiblesses et notamment le poste de pointu, on a recruté le meilleur pointu de Ligue B depuis 2 ans. C'est pour jouer l'accession avec nos moyens, certes, mais jouer l'accession, c'est notre ambition de cette année. Alors justement, c'est une ambition, mais c'est une nécessité aussi dans un championnat qui est très peu médiatisé. On sait aussi les difficultés budgétaires pour établir un budget. C'est plus qu'une ambition, c'est une nécessité de remonter maintenant. Alors économiquement, ce serait l'idéal, ce serait de monter en Liga. Les moyens seraient plus importants et on sait très bien qu'en Ligue B, attirer des sponsors, avoir un budget qui nous permette de jouer l'accession, c'est compliqué. Ça solutionnerait des problèmes, mais entre nos ambitions, les désirs et l'arrêté du terrain, on verra ça cette année, quoi. Alors le budget, justement, on sait qu'il a beaucoup baissé entre la Liga et la Ligue B, les deux années précédentes aussi. Cette année, vous tablez sur un budget de combien par rapport à l'année dernière? Bon, on tape sur un budget autour de 800 000 euros. C'est en baisse de combien à peu près? C'est stable, mais si on prend nos frais de fonctionnement, c'est en baisse de plus de 100 000 euros par rapport au coût. Oui, on était à 860 actuellement. Ouais. Ouais. On a diminué au maximum nos charges et tout en favorisant quand même une équipe de qualité. Et on a été obligé effectivement de supprimer un contrat pro pour avoir le meilleur pointu. Donc on a 7 pros au lieu de 8 l'an passé. Et après, on s'est renforcé sur notre équipe de centre de formation. Alors, pour rappeler à nos téléspectateurs, le budget, par exemple, en Ligue A, c'était aux alentours de 1 million, 1 million 100 1 million 4 même, 1 million 4. Dans les meilleures années. Et donc ça, c'était il y a plus de 8 ans. Et 8 ans après, on est quasiment à la moitié et les coûts ne sont pas les mêmes. Donc c'est vrai que c'est un exploit autant que de monter en Liga que d'avoir une équipe de Ligue B qui soit compétitive pour jouer l'accession. Alors vous l'évoquiez il y a quelques instants, hein, depuis 4 saisons, le GFCA possède un nouveau centre de formation, un outil indispensable pour le développement du club au niveau professionnel. On voit tout ça avec vous, Jean-Pierre, vous étiez avec Marion Fiam. Bon, les mecs. Allez, go. Sous les ordres de Rogeri Obrizola, les jeunes volleyeurs du centre de formation débutent leur séance spécifique. Ancien joueur de haut niveau en France, le franco-brésilien dirigera pour la 2e saison consécutive l'équipe élite du GFCA Volley, dernière marche avant le monde professionnel. 9 éléments, dont un jeune insulaire, composent cette année le groupe ajaxien, un atout supplémentaire en faveur du club rouge et bleu afin de continuer sa progression. Mon rôle, c'est d'accompagner Fred dans tous les exercices et toute la partie technique qui lui, il va souhaiter. Et moi, dont on regarde de côté, plus directionné aux jeunes.
au-delà de ceux que le besoin qu'ils ont, des exercices qu'ils ont besoin, moi je ferai à côté donc des travail spécifiques. Mais ça reste un travail complémentaire pour eux. Arrivé durant la trêve estivale de Narbonne, Victor Saucier, réceptionneur attaquant de 21 ans, est l'une des recrues du Gazélec. Sa venue à Ajaccio, il la doit à un projet séduisant proposé par le staff technique insulaire. Une place au sein de l'effectif de Ligue B avec du temps de jeu à aller chercher dans l'équipe professionnelle. Je vais avoir un statut très important avec le CFC, mais également un peu aussi crucial avec la pro pour des rentrées qui ne sont pas faciles et pour des moments qui ne vont pas être simples pour moi. Mais je trouve le projet très intéressant parce qu'il va falloir que je sois très présent sur le centre de formation et aussi pour pouvoir bien pousser avec la pro et pour aussi me permettre d'obtenir une place de titulaire avec la pro, je l'espère. Lancé en 2020 par l'ancien président Antoine Exiga, ce centre de formation est aujourd'hui utilisé à plein régime par Frédéric Ferrandez, l'entraîneur principal de la formation de Ligue B. 10% du budget, soit environ 80 000 euros, sont utilisés pour faire fonctionner la structure. Un investissement non négligeable de la part des dirigeants gaziers. Premier objectif qui est à court terme, c'est avoir des joueurs à potentiel, mais déjà des joueurs aguerris qui peuvent apporter une profondeur de banc de qualité à l'équipe professionnelle. Deuxième objectif, à court terme et moyen terme, c'est d'avoir des jeunes joueurs à potentiel qui puissent, d'ici un an, intégrer l'équipe professionnelle sur le banc en profondeur, comme j'en parlais. Le dernier objectif, qui est aussi important, c'est de créer la dernière marche nécessaire aux joueurs locaux qui ont des qualités avant de passer au niveau professionnel. Véritable outil de développement, le centre de formation du JFC Avolay grandit d'année en année. Et l'an prochain, c'est un nouvel agrément de 4 ans que sollicitera le club auprès du ministère des Sports, avec pour objectif de continuer à progresser dans ce domaine. Alors, le centre de formation, Pascal Pommier l'a dit tout à l'heure, il existe depuis 4 saisons. Cette année, vous l'avez dit, il y aura seulement 7 joueurs pros. Beaucoup de jeunes issus du centre de formation. C'est une volonté affichée de vraiment mettre beaucoup de moyens dans le centre de formation pour pérenniser le club et pour attirer des jeunes joueurs en vue de former l'équipe une. Sylvestre l'a bien dit, il y a triple objectif avec le CFC. Tout de suite, c'est d'avoir une équipe pro qui soit renforcée par des jeunes, puisqu'on n'a pas les moyens d'avoir 12 contrats pro comme les équipes qu'on va affronter. Pour cela, on a recruté 3-4 jeunes. On a mis la barre haut des jeunes d'avenir et qui sont internationaux pour certains dans leur pays et d'autres. Ils font partie des meilleurs Français comme Victor. Qui évoluait, excuse-moi de vous couper, du côté de Narbonne, en Liga, donc en Liga, qui est un joueur qui connaît le haut niveau. Qui connaît le haut niveau, et en même temps, on veut, grâce pour eux en tout cas, il y a des places à prendre en Ligue B de suite. Il n'y a pas de titulaire, même professionnel, si les jeunes sont du même niveau ou mieux que les profs, ils joueront leur place. Et donc, cette potentialité pour eux est intéressante de pouvoir montrer leur qualité et d'être devenir pro. C'est l'avantage des équipes comme Ajaccio. Le deuxième avantage pour nous, c'est qu'on n'a pas les moyens de recruter. Et si avec ces jeunes-là, on peut arriver à avoir un effectif, parce que ce qui nous a manqué l'an passé, c'est un banc de qualité pour pouvoir jouer les phases finales de play-off avec un turnover possible. Qu'on n'a pas eu l'an passé, c'était une des causes. C'est une possibilité que vous voulez offrir à Frédéric Ferrandez, le coach. Quand il va se retourner pour ADK sur le banc, pour faire un changement, il faut qu'il y ait de suite un joueur qui soit prêt à rentrer dans l'équipe. Et c'est sa demande, oui. C'est d'avoir du banc. Et en même temps, il est très ouvert, il n'y a pas de titulaire. Et s'il sent que les jeunes, comme Victor, qui a déjà beaucoup participé dans les matchs amicaux, comme un pro. Et ce qu'on aime dans ces jeunes, c'est qu'ils ont une attitude. Et c'est ce qu'on veut aussi, Sylvestre ne l'a pas dit, mais on a voulu professionnaliser le centre de formation. On veut que l'équipe d'Ajaccio élite soit dans les meilleurs. De même que ça attirera aussi des jeunes nouveaux pour les années futures, parce que l'équipe qu'on essaie de monter en Lénite, on espère que ce sera notre équipe future en Ligue B ou en Liga, où on sera. Mais c'est une vue aussi à moyen et long terme. Quoi. Alors, petit bémol hein, pour ce centre de formation, si on ne se trompe pas, il y a un seul Corse aujourd'hui. Comment faire? Il y a un travail à faire avec la Ligue Corse de volley? Oui, tout à fait. On travaille aussi sur l'équipe amateur, sur les jeunes.
Et d'ailleurs, ce week-end, les jeunes se sont qualifiés, les deux, l'équipe féminine et l'équipe masculine, au deuxième tour de Coupe de France, qui déjà montre un certain niveau de nos jeunes. Et la masse des volleyeurs n'est pas encore assez importante pour pouvoir compter là-dessus, que là-dessus, pour pouvoir avoir des équipes de niveau de Ligue B ou de Ligue A. Mais si devant, ils ont une perspective d'aller jouer en élite, ça motivera encore plus les jeunes pour venir s'inscrire et jouer au volley, et on leur donnera les moyens de s'exprimer au plus haut niveau. Alors c'est obligatoire de réussir l'étape du nouvel agrément pour le centre de formation. Sylvestre Samartier, votre vice-président, l'a dit, ça sera l'année prochaine. C'est une étape indispensable pour continuer à développer le club. Ah, capital, vu notre potentialité financière, nous on va se baser sur notre centre de formation pour pouvoir sortir des jeunes et si possible des jeunes Corses pour pouvoir représenter l'équipe au plus haut niveau. Alors un mot sur ce qui se fait de plus en plus dans le volley en France. Est-ce qu'un... Alors vous avez un encadrement de qualité avec Frédéric Ferrandez et Rogerio Brizola qui sont notamment pour Rogerio un ancien joueur de Liga. Est-ce qu'un retour des anciens... Peut-être c'est possible, on pense à Ludovic Castard, Jean-François Exiga. De plus en plus de clubs font appel à ça, on pense à Nantes, à Paris, à Cannes, avec le retour de Victoria Rava, une illustre joueuse de Cannes, et Pierre Pujol aussi qui a joué au GFCA, qui est revenu du côté de Cannes. Est-ce que c'est possible de revoir ça un jour au GFCA? Moi je ne ferme aucune porte à personne, et toutes les bonnes volontés dans un esprit d'union, et pas de désunion, c'est ouvert pour tout le monde. Si ça peut faire du bien à l'équipe d'Ajaccio et au Sport Corse, je suis totalement pour. Merci beaucoup Paul Moratchol d'être venu nous rendre visite. On rappelle, le premier match pour votre équipe, c'est samedi à domicile au Palatine face à Reims, 20h. Vous avez gagné le tournoi de la Méditerranée, mais ça s'était un petit peu moins bien passé ce week-end, défaite 3-1 face à Cannes. Donc en tous les cas, vous souhaite bonne chance à vous et à vos joueurs pour cette saison. Merci Pascal de m'avoir accompagné. Pas de Sporting Corsica pendant les vacances scolaires. On se retrouve nous le lundi 6 novembre. Il sera question de ping-pong. Très bonne fin de soirée sur France 3 Corse Via Stella. Et votre Corsica Zera se poursuit à présent avec un coup d'œil sur l'actualité nationale et la Première ministre Elisabeth Borne qui a réuni aujourd'hui les partenaires sociaux pour parler salaire et déroulement des carrières, notamment dans un contexte de forte inflation et de divergences persistantes avec les syndicats, encore marquées par l'adoption au forceps de la réforme des retraites. Autour de la chef du gouvernement et de 6 ministres, 7 organisations syndicales pour cet événement qui s'est déroulé toute la journée au Conseil économique, social et environnemental de Paris. Et c'est ainsi que se referme cette édition. À suivre au Rostro Notizia, les présentateurs Ustazera da Gendre et Marchiagne. Retour de l'info demain midi 25. Je vous remercie. Excellente soirée.